L'anti-aging est un concept à la mode depuis des années, souvent intégré de façon abusive dans le marketing de nombreuses sociétés. En Allemagne, on appelle ça aussi des retardateurs de vieillissement. Mais pour commencer, qu'est-ce que le vieillissement ? Quand on se regarde dans le miroir le lendemain d'une soirée bien arrosée, ça donne une bonne idée du concept. Du style « je te connais pas, mais je vais te laver quand même ». La peau paraît vieille, moins fine, ridée, et selon l'âge, elle perd plus ou moins nettement de sa fermeté jusqu'à pendre mollement. Une vision peu réjouissante. De toute évidence, il est possible d'accélérer le processus de vieillissement de façon ciblée. Qu'est-ce qui fait vieillir notre peau, par exemple ? Avant tout, les radicaux libres, comme on les appelle. Ces particules agressives sont produites, par exemple, quand on fume ou quand on reste trop longtemps en plein soleil, mais aussi à cause du stress ou quand on fête un peu trop la nuit. Les radicaux libres oxydent, par exemple, le collagène dans notre peau. Et résultat, cette matrice stabilisante ramollit et une ride apparaît. L'action des radicaux libres sur notre peau est ce que l'on appelle couramment le stress oxydant. La même chose se produit en même temps avec les graisses dans notre corps. Dans la peau, par exemple, regardez le dessus de vos mains. En fonction de votre âge, vous pouvez constater ici et là des taches plus ou moins grosses. Plus on passe de temps dans l'atmosphère imbibée d'oxygène de notre planète, plus on en a. C'est l'oxydation qui en est la cause. Je pourrais dire plus simplement que nous rouillons, comme les voitures. Mais comme il ne s'agit pas de métal mais de graisse corporelle, il serait plus exact de dire que nous devenons rances. Maintenant, réfléchissez bien si c'est quelque chose que vous oseriez jamais dire à votre femme. Tu deviens rance, chérie. Il faut bien se rendre à l'évidence. Nous vieillissons tous, la question est simplement à quelle vitesse ? On sait aujourd'hui qu'une nourriture saine, riche en légumes et en fruits frais, faire du sport et éviter le stress excessif, en constitue le BABA. Une alimentation saine nous procure les antioxydants dont nous avons besoin. Ce sont les vitamines et composants végétaux secondaires qui nous protègent contre les radicaux libres. En un mot, notre anti-rouille naturel. Beaucoup se soucient de protéger leur voiture contre la rouille, mais oublient leur corps. Certaines vitamines sont d'excellents antioxydants, donc de l'anti-rouille performante. Les vitamines liposolubles en particulier adorent les couches de l'épiderme riches en graisse. Pour protéger la peau des jeunes enfants contre les effets nocifs du soleil et pour lui donner une jolie couleur ambrée, les mères leur donnent depuis toujours du jus de carotte. Dans les carottes, on trouve de la bêta-carotène, rien que le nom sonne comme carotte. La bêta-carotène est ce qui donne la couleur à ce légume. Liposoluble, elle s'intègre sans problème dans la peau et donne aux enfants de bonnes couleurs tout en protégeant leur peau. L'article numéro 54 de la série Bêta-Care de Forever Living utilise les connaissances sur les propriétés bénéfiques de la bêta-carotène pour la peau. Et comme les cheveux prennent racine dans la peau, ils sont eux aussi protégés. Un point de plus en sa faveur. Notez cependant que Bêta-Care est un produit destiné aux adultes. Et pour les enfants, les carottes suffisent. Dans Bêta-Care, la bêta-carotène naturelle est combinée avec de la vitamine E, elle aussi de source naturelle. Nous insistons sur ce fait en grande surface, on ne trouve généralement que du RRR, de l'alpha-tocophérol synthétique. C'est moins cher à produire. Cette vitamine E synthétique n'est absorbée que pour un sixième par rapport à la vitamine E naturelle, mais elle n'en utilise pas moins les réserves. C'est certes toujours antioxydant, mais un antioxydant bien moins performant pour l'organisme qui ne l'absorbe pas de façon optimale. Forever n'a pas rechigné sur les dépenses et donc c'est plus cher, mais nous le valons bien. Le même raisonnement est à l'origine de l'utilisation de l'oligo-élément sélénium dans Bêta-Care. Pour une assimilation optimale, Forever utilise à la base la sélénométhionine, qui est liée organiquement et nettement plus onéreuse. Le corps a besoin de sélénium pour produire lui-même son super antioxydant, le glutathion. Ces trois éléments, la bêta-carotène, la vitamine E et le sélénium, forment une équipe de choc, l'article numéro 54. Afin que ces éléments liposolubles soient absorbés de façon optimale, ils sont ingérés sous forme de gélules contenant de l'huile de soja. Cependant, vous pouvez encore améliorer leur absorption en les prenant pendant ou directement après un repas.
Une gélule par jour suffit amplement. Ce qui compte, c'est d'en prendre régulièrement. Alors, pendant vos prochaines vacances au soleil, n'oubliez pas de renforcer votre bouclier contre les UV avec Betacare. Et n'oubliez pas non plus d'utiliser la crème solaire Forever Sunscreen Spray. Pour optimiser les effets sur votre peau et vos cheveux, et en général pour combattre le vieillissement prématuré, vous pouvez combiner Betacare avec nos produits Arctic Sea, le HA actif et avec le Garlic Thum. Récapitulons les arguments en faveur de Betacare et plus exactement de l'article référence numéro 54. Des antioxydants naturels, de la vitamine E et A liposoluble grâce à la bêta-carotène, de la précieuse sélénométhionine, produisent ensemble une bannière efficace contre le vieillissement. Bonnes vacances!